Je m'appelle Sandrine Nugg. J'ai réalisé des études en design graphique, tout d'abord à l'école Estienne, puis aux arts décoratifs de Strasbourg. Et j'ai eu le souhait de continuer de me spécialiser en dessin de caractère. Donc je suis allée au post-diplôme de l'école d'Amiens, où j'ai appris ce que j'exerce aujourd'hui, le métier de dessinateur de caractère. Mon association avec le CNAP est partie d'un concours pour la commande publique d'un caractère typographique. Et donc toutes mes recherches et toutes les propositions que nous avons faites et toutes les recherches vont rentrer dans les collections du CNAP. L'objectif de ce nouveau caractère typographique, dans un projet très global, est de raconter l'histoire de l'écriture, de la typographie, à quoi ça sert aujourd'hui et à quoi ça peut servir. Et c'est vraiment un des piliers fondamentaux du design graphique. Le brief de départ était de dessiner un romain, un gras et un italique. J'ai choisi de l'appeler l'infini pour diverses raisons, notamment parce que j'avais vraiment le souhait de parler d'une continuité, d'une histoire sans fin, l'histoire de l'écriture, qui est partie des pictogrammes, des idéogrammes et qui est arrivée à l'alphabet, et parce que c'est, comme toute création, quelque chose qui n'est jamais terminé et voué à être poursuivi. Ma référence, c'est l'écriture grecque. À cette époque, il n'y avait que des majuscules, que des capitales. Il n'y avait pas encore les bas de case qui sont arrivés quelques siècles plus tard. Donc ça a été vraiment un travail très important dans la création de cette famille. Une des premières choses que j'ai fait, c'était mettre en place l'harmonie, l'homogénéité entre toutes ces capitales, du romain et du gras. Et ensuite, il a fallu que je l'harmonise avec les bas de case, donc les minuscules. Ce travail stylistique renvoie donc à la gravure lapidaire avec un travail assez brut que je trouvais en fait très contemporain aujourd'hui. Lorsqu'on regarde ces écritures, donc, qui étaient évidemment très instables, en fait elles étaient très géométriques. Le fait également qu'il n'y ait pas de sérif, qu'il n'y ait pas d'empattement, je trouvais ça intéressant aujourd'hui de faire une famille de caractères sans empattement pour du texte courant. Pour accompagner ce romain, ce gras et cet italique, j'ai travaillé sur des pictogrammes et également sur des ligatures. J'ai voulu porter l'attention sur le signe en créant des pictogrammes qui, finalement, plutôt que de se cacher derrière le sens, ils le portent et ils deviennent le sens. Les pictogrammes étaient utilisés pour représenter des mots, des choses, c'était dans une réduction de la forme. Ce qui est assez proche au niveau des pictos et du dessin de caractère, c'est de devoir synthétiser dans une petite forme le plus d'informations possible. Les ligatures étaient utilisées au moment de la capitale romaine pour réduire l'espace des mots. Donc il s'agissait en fait de lier plusieurs lettres entre elles. Il y a vraiment une question d'ordre fonctionnel et esthétique. Et le meilleur exemple de la ligature qui soit, et on oublie souvent que c'est une ligature à la base, c'est le signe de l'esperluette qui est à l'origine l'association du E et du T qui sont devenus un signe à part entière. Lorsqu'on pense au dessin de caractère, on pense vraiment à la forme de la lettre, au noir, vraiment à l'inscription de la lettre. Mais il y a une chose qui est très importante et qui est aussi difficile, voire plus difficile, c'est de travailler sur toute la contre-forme, toute la lumière qui circule autour de la lettre et l'espace qu'il y a entre les lettres. C'est vraiment un gros travail. Pour se procurer ce caractère, il faut se rendre sur le site de graphismeenfrance.fr où elle peut être téléchargée gratuitement par tout le monde et installée sur son ordinateur.